coup, les accros du scrap. Alors, aujourd'hui, c'est grand jour. Tirage au sort du concours des 100 abonnés. Qui est 100 abonnés, bientôt, bien largement dépassé. Mais bon, il fallait le temps que les gens puissent envoyer toutes leurs petites choses. Toutes leurs petites choses, toutes leurs petites cartes. Et quand même, j'ai eu 35 participations. Heureusement, dans un sens que j'en ai pas trop eu plus. Sinon, j'aurais eu vraiment, vraiment des cartes d'avance. Regardez, regardez-moi ça. Ça, c'est toute une boîte remplie. Remplie. J'ai même pas de place pour toute la montrer. Voilà, remplie de cartes que j'enverrai à nos généreux donateurs du refuge. Et j'en ai, je ne les ai pas comptées encore, j'ai pas le temps. Mais j'en ai beaucoup. Déjà pas mal, ouais. Et je pense que j'ai de quoi faire un bon moment. Hein. Donc merci. Plein de fois merci. Je ne pourrais jamais en dire assez de merci pour vous remercier vraiment. Et maintenant, c'est à moi. C'est à moi de vous remercier. Vraiment. Magie. L'eau numéro 1 est sur la table. Donc, dans la première gagnante, en fait, elle aura ce jeu de 4 petites boxes, boîtes, exactement. Elles sont trop bien, hein. Moi, je me les suis achetées. Je ne démonte pas, là, mais elles sont vraiment super, ces petites boîtes. Pour ranger plein de choses, et elles sont super. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ça vient de chez Action. Hein. Elle aura aussi ses encres, ses pattes d'encre-ci. Ceci et ceci. C'est toutes des couleurs que j'avais en double. Donc, j'ai assez de trucs en double. Je garde plus rien en double. En double, en triple. Des fois, j'ai acheté... J'ai pas toutes les couleurs en double parce que j'avais pas trouvé toutes les couleurs à la base. Tout ça, c'est des bâtons de colle. 30, il y en a là. Il y a de quoi faire, hein. Ça, j'y ai fermé. Mais c'est deux petits blocs acryliques. Parce que j'en ai acheté, j'avais en double, j'ai pas besoin. Il y en a un tout petit comme ça. Où j'ai mis mon tampon de crâneuse dessus. Et puis, il y en a un autre moyen. Oui, c'est celui-là. Voilà. Donc ça sert toujours. Je me dis, c'est nickel. La carte cadeau Action d'une valeur de 15€. Voilà. Un massicot, tout neuf emballé Action. Ça mange pas de pain. Toute une pochette de papier 30-30. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas compté, mais il y en a pas mal. Hein, il y en a au moins 30 feuilles. Au moins. Hein. Voilà. C'est tous des papiers, soit que j'avais en double, soit que je ne me sers pas. Alors j'ai autant que ça fasse plaisir à quelqu'un. Donc toute la pochette là. Et puis une pochette comme ça que je viendrai remplir avant d'envoyer. Vous voyez, c'est avec des enveloppes. Voilà. Et puis je viendrai mettre des die-cuts, des stickers. Ça sera la surprise. Voilà, donc tout plein de choses dedans. Hein, des tamponnages, des embellissements. Je mettrai plein de choses dedans. Dans cette enveloppe. Voilà. Donc on a tout ça. Le massicot, les papiers, la pochette garnie, les trois paquets d'encre. Les boîtes, les plaques acryliques, les bâtons de colle et la carte cadeau de 15€ pour chez Action. Voilà, on va faire maintenant le lot numéro 2. Donc le lot numéro 2, une petite explication. Dans le lot numéro 1, j'ai mis le papier et le massicot dans le même lot. Parce que pour ça, il va me falloir un grand carton. Parce que le massicot et les papiers, c'est vraiment dans un grand, grand carton qu'il va falloir que ce soit. Donc, je voulais rassembler les deux choses qui aillent bien dans le grand carton, quoi. Donc, c'est pour ça que dans le lot numéro 1, j'ai mis des choses qui vont tenir dans un petit carton. Oui, hein. J'ai l'esprit pratique tout le temps, moi. Vous voyez, je fais un concours, ça va me servir à quelque chose. Même quand je fais des lots, c'est comme ça. Je suis comme ça chez moi. Donc les pattes d'encre, les noirs, blancs, gris. Il me restait un lot de verre, donc
ça peut plaire aussi. Moi, je l'ai, ils sont très jolis, les verres qui sont dedans. Donc, je mets aussi des bâtonnets de colle. Donc là, il y en a un petit peu moins que dans le premier lot, mais ça, c'est normal, hein, c'est le deuxième lot. Hein. La carte action de 10 euros, celle-ci. Bloc acrylique, donc on en a un petit seulement. Hein. Ou si vous avez un petit tampon à mettre dessus constamment, votre tampon de crâneuse ou ce que vous voulez. Ça, c'est bien pratique d'avoir le petit truc, on l'a sur le bureau comme ça. Pour les petits tamponnages, ça évite de sortir le gros truc. La punchboard Wear Memory pour les mini-enveloppes. C'est super, ça peut faire des petites enveloppes pour les embellissements, pour mettre les petites cartes. Vous voyez, là, faut que je fasse quand même une petite enveloppe. Hein. Ouais, faut que je fasse quand même une petite enveloppe. Hein. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, je suis un peu débordée. Ceux-là aussi en encre. Hein. Donc, de chez Action. Donc, il y en a trois en tout. La punchboard et une petite boîte remplie de petits embellissements, des breloques, des attaches parisiennes, plein de choses, des petites pinces, des petites, j'ai mis quoi encore là-dedans, des petites épingles gourdes, comme ça, enfin tous des petits trucs qui servent tout le temps, voilà. Alors, une petite boîte que j'avais faite moi, que vous pouvez retrouver dans un de mes tutos. Voilà, donc ça c'était le lot numéro 2, je vais chercher le 3. Donc le lot numéro 3, donc il y aura un paquet de glace marqueur dans les tons de rose et de violet. Donc de chez Action, hein. Ils sont pas mal ces feutres là, ceux-là ils durent quand même longtemps. Parce que j'ai beaucoup de feutres Action qui, au bout de 2-3 mois d'utilisation intensive ou pas, étaient secs. Hein. Mais ceux-là j'en ai déjà. Et puis le début, et ils sont encore bien. Ça, c'est un ATB. Donc, c'est un ATB où je ne vais pas tout déballer, mais dessus accroché plein d'embellissements. Hein. Donc, là, il y a des petites attaches parisiennes. Là, il y a un trombone altéré, un petit pompon, des petits nœuds. Là, c'est un petit bijou avec des rubans. Enfin, voilà, il y a plein de petits embellissements accrochés dessus. La carte action de 5 euros. Et un petit Botanic Fall où il y a du papier craft avec du foil dessus. Et vous savez que j'ai toujours mon problème de craft. Hein. Craft, pas craft. Papier craft. Voilà. Donc j'en avais acheté plusieurs. Ils sont sympas. Moi, je m'en sers pas mal pour faire des petites pochettes, pour faire des petits fonds de carte, pour faire des découpes. Ouais, ils sont pas mal. Il y en a avec du foil, il y en a sans foil. Ça sert toujours, les petits cactus, là j'aime bien. Je les aime bien ces petits cactus en brillant. Ils étaient sympas ces petits blocs là. Je sais pas s'ils les font toujours, mais ils sont sympas. Il y a un peu tous les styles dedans, vous voyez, il y a des roses, il y a des fleurs, il y a des formes géométriques, il y a un peu tous les styles. Hein. Voilà, donc ça sera le troisième lot. Allez, on va passer au pliage. Avant le tirage, il y a le pliage. Donc, les petites étiquettes qu'on va plier avant, on va récapituler les numéros. Parce qu'au départ, je voulais tout plier, mettre dedans, et puis après, je me suis dit, non, il faut quand même que les filles... j'avais tout plié, j'avais tout mis dedans, puis j'allais dire, le numéro 1, c'est un tel, le numéro 1, c'est un tel. Non, c'est quand même mieux quand vous voyez votre petit numéro entrer dans ma petite poulette. Voilà, allez, on y va. On se dépêche. Alors, le numéro 1, c'est Martine C du 36. Donc, je plie, je mets dedans. Numéro 2, Aline de la chaîne Aline Création. Donc, Aline du 51. Voilà. Numéro 3, Sophie P du 62. Numéro 4, Angélique de Angie Craft Enjoy. La chaîne Angie Craft Enjoy. Numéro 5, Nathalie M du 61. Numéro 6, Elodie S du 91. La chaîne Didi Scrap Création. Valérie G du 83. Le numéro 7. Le numéro 8, Natacha, ses bricoles et ses bidouilles.
Natacha de la chaîne, ses bricoles et ses bidouilles. Numéro 9, Patty Scrap, la chaîne Patty Scrap 17. Patricia, le numéro 9. C'est ton petite fiche. Numéro 10, Nicole B du 72, l'atelier Kiwi. Numéro 11, Annie de la chaîne Annie Créa Passion. Numéro 11. Sandrine B de la chaîne du Chabi dans l'atelier. Sandrine B, numéro 12. Natacha L du 62, numéro 13. Myriam D, numéro 14. Myriam D du 95. Numéro 15, Sabine J du 62. Numéro 16, Pascal B du 56. Numéro 17, Sandrine P du 28. Numéro 18, Caroline Marie du 95. Caroline Marie P du 95, numéro 18. Numéro 19, Sabella de la chaîne Sabella Fantasy. Ensuite, je tourne ma petite fiche là, voilà. Numéro 20, Audrey M du 05. Numéro 21, Passionnette 72, Elena. Numéro 21, la chaîne Passionnette 72. Béa de la chaîne Béatrice Création Altea, le numéro 22. Chantal B du 63, le numéro 23. Jacqueline P du 28, le numéro 24. Nicole R de Belgique, le numéro 25. Anne-Marie T du 16, numéro 26. Stéphanie C du 51, le numéro 27. Marie R du 85, le numéro 28. Daniel L du 33, Agnel du numéro 29. Tu vois, Agnel, t'arrives à temps pour le concours. Hélène G du 49, le numéro 30, et c'est la chaîne Elena, Hélène Création 49, le numéro 30. Marie-Pierre L du 62, numéro 31. Edwige. Oh là là. G, excuse-moi, hein. Edwige J du 74, le numéro 32. Cathy de la chaîne Cathy 33 Création, le numéro 33. Vous avez rigolé, hein, vous n'avez pas fait exprès. Hein. Ça te portera peut-être chance, Cathy. Et Camille de la chaîne Camille Scrap, le numéro 34. Et on termine avec Ariel D du 11, le numéro 35. Voilà, voilà. Allez. Et pas je la secoue ma poule. Voilà. On va avoir le mal de mer. Alors, la gagnante du premier lot est. J'arrive à l'ouvrir. Je mets ma mimine et je prends un numéro. Voilà. Et ça sera le numéro 21. Le 21. C'est qui 21? Attends, je retourne. Je suis vachement organisée. Oh, Passionnette! Elena, la chaîne Passionnette 72, qui a remporté le lot numéro 1. Eh ben, Elena, tu vas pouvoir aller te faire plaisir encore un petit peu à Action, hein, avec ton petit bon cadeau. Et puis, s'il y a des choses, je veux dire, qui t'as pas besoin dans les lots ou quoi, tu pourras les offrir à quelqu'un d'autre, ça m'offusquera pas du tout, au contraire. Donc, le numéro, lot numéro 1. Elena, qui avait le numéro 21. Voilà. Donc, Elena, j'ai ton adresse. Hein. Envoie-moi un petit mot quand même, mais j'ai ton adresse.
Donc je le mets de côté. Là, allez, le lot numéro 2. Quoi ça? Non, c'est ma fiche. Oh là là, faut pas que je perde mes fiches. Le lot numéro 2, jusqu'où. Et un petit numéro. Oh ben, voilà. Et c'est le numéro 7. Et le numéro 7, c'est Valérie G du 83. Bon, je suis pas mécontente de faire une Valérie. C'est les meilleures, les Valérie. Non, je rigole. Elles sont bonnes, les Valérie, de toute façon. Donc, Valérie, j'ai du 83, lot numéro 2. Pareil, un petit message, Valérie, mais je sais que tu suis toujours ma chaîne. Lot numéro 2. Juste me rappeler votre adresse, parce que des fois, entre le moment où je l'ai puis le moment de maintenant, ben vous avez peut-être déménagé ou on ne sait jamais. Et c'était le numéro 7. Voilà. Et le troisième et dernier lot. Hop. Ah, je crois que j'en ai deux là, de papier. J'en ai deux dans ma main. Non, c'est bon. Et c'est le numéro 32. Et le 32. C'est Edwige. Et je l'ai bien prononcé cette fois ton nom, Edwige, du 74. Donc Edwige J, du 74, tu as remporté le lot numéro 3. Ben voilà, moi je trouve que c'était un joli concours. Plein de gentilles choses, plein de gens qui ont la passion, comme moi, des animaux et qui les considèrent comme des êtres à part entière. Lot numéro 3. C'était le numéro 32, Edwige. Voilà, j'ai noté. Pareil, Edwige, tu me renvoies un petit message quand même, même si j'ai gardé les adresses de tout le monde. Et puis, j'ai été contente de faire ce concours, de voir toutes ces belles choses. C'est un plaisir d'ouvrir sa boîte aux lettres le matin et puis de découvrir. À chaque fois, c'est comme des cadeaux pour moi. Hein. Voilà. Et puis, je vous fais des gros scrap-bisouilles. Et puis je vous dis à très bientôt. En espérant que j'ai eu le temps de me faire des tutos. J'ai plein de trucs en tête, mais je suis débordée. Au Fuge, on a beaucoup de travail. Non pas qu'on a beaucoup d'abandon, hein, parce que nous, je ne sais pas, les autres Fuges peut-être, mais chez nous, on n'a pas plus d'abandon l'été que le restant de l'année. Hein. Les gens, ils abandonnent toute l'année. Hein. Pas plus l'été qu'ailleurs. Hein. Mais comme on fait garderie, on a beaucoup d'animaux en garderie. Donc des petits loulous... qu'on s'occupe comme si c'était les nôtres, hein, bien sûr, et qu'on a besoin aussi d'attention, surtout qu'ils sont un peu perdus au début, parce qu'ils n'ont pas leur papa, leur maman. Mais bon, ça va très bien en principe, parce qu'ils ont des voisins, copains, ils sortent dans les grands parcs où ils s'éclatent. Ça se passe très bien. Voilà, mais tout ça, ça fait beaucoup de travail en plus. Ouais. Allez, je vous fais des gros scrap bisous, à bientôt. Bye bye.